Parce qu'il est parfait. Oui, à ça, là, mon côté, pour ça. Ce qu'il a accompli, personne ne peut le faire. Oui, si on a préparé pour nous dans l'avenir, personne ne pourra le faire pour nous. C'est pourquoi il fait notre fierté. Jésus-Christ est son nom. Jésus-Christ est le nom. Azali très puissant. Azali Amouya, la véritable victoire de saint. Et y a nous la mission de Jésus. L'exaucement à nos prières, Jésus-Christ. Vota kabo pumbu kina mitema na mission. Je vois comment les ailes de la maison se dévorer. Tu sens vraiment les ailes de la maison de Dieu te dévorer. Non, non, il faut y avoir coupé ces pumbu. Il faut savoir les rendre gloire. Même lorsque nous serons dans notre rencontre du dimanche, il faut que nous lui rendons l'honneur. Que notre ami Evan puisse lui rendre l'honneur. Tu es une sœur chambre. Il ne faut pas paraître devant nous avec des jupes collantes. Pousser les courtes jupes. Et puis tu exposes tes cuisses sur de l'estrade. Il faut pisser à l'arbre. Cela donne honneur au Seigneur. La très important. Les animaux tués à Koleka. La Bible et le Baba aussi, la extérieure qui convient à la sainteté. L'Ivanao et le Bobani n'a beau sans tout. L'extérieur qui convient à la sainteté. Quand tu vois une sœur avec une jupe très serrée, où est-ce que tu l'as vu? C'est pas l'extérieur qui convient à la sainteté pour une femme. La même dans le monde. C'est moins béni, c'est tout. Surtout celui qui a beaucoup de gens va te féliciter de ce que tu as Facebook. Et surtout si tu le publies sur Facebook, tu mettras des gens. Lorsque tu portes une jupe très, tu mets sur Facebook et tu verras les démoniaques te féliciter. Parce que tu t'es bien habillé selon lui, mais tu t'es mal habillé selon la parole. Il faut faire toute chose pour élever Jésus-Christ. Confondre les temps du moment. Que ta manière d'être puisse confondre les siècles présents. Vous êtes dans la même direction qu'avec ceux qui sont au monde. Vous ne marchez pas dans la même direction avec les gens du monde. Dans le monde, vous êtes en utilité. Toi, tu es dans le monde, mais tu n'es pas du monde. Ta manière d'être est différente de celle des gens du monde. Toi, tu dois manifester la vie de Dieu. Et ça, vraiment, bon mot. C'est vraiment comme ça. Les mondes ne verront le Seigneur qu'à travers toi et moi. Ce n'est pas par un autre chemin. Donc, ceux qui toujours qui ont des wana, lorsque nous allons nous rendre au culte qu'on va célébrer en plein air, parce que comment me prier Dieu en tout lieu, parce que le tekibo semble en zambé dans les citoyens, la carte à retomber dans les mains pires, pas insister à qui, la retombe dans ma boucle et salit péto, les œuvres pures. Donc, si on parle des mains pures, c'est-à-dire les œuvres pures, dans les œuvres de la pureté, et tourne dans la carte et dans le temps où on louait les seigneurs. Puisse remplir ta vie
lorsque tu loues le Seigneur Jésus-Christ. Et cela est très important. Et que vraiment la grâce du Seigneur soit sur tout un chacun. Et notre joie est allée parce que Christ Jésus est vivant. Et c'est mon avis, ce sont pour être Christ soit allé à bon moment. Parce que ma bébé, ma libéta, tolo. Parce que beaucoup se sont frappés à poitrine. Mais ma soukana. Mais ils ont fini leur marche dans les sépulcres. Maloba, ils ont dit des choses de toutes les manières. Mais la mort les a retenus. Mais notre Dieu, s'est présenté dans l'Apocalypse 1. Il se présente dans le livre de l'Apocalypse chapitre 1. Il est l'alpha et l'oméga. Les premiers et les derniers. Les vivants. Présentation, sa présentation. Apocalypse 1, verset 17. L'Apocalypse 1, verset 17. Il dit les vivants. C'est lui. Il a vaincu la mort. Au mort, où est ton aiguillon? La seule personne qui a interrogé la mort, où est ton aiguillon, c'est ce qui est. Parce que la mort n'avait plus de l'éternité. Lorsque Israël demandait le miracle, parce que Israël a demandé le miracle de Jésus à ça. Parce que Israël a vu le miracle de Jésus à faire. Mais Seigneur, encore Jésus-Christ, un miracle. Mais il a demandé encore un miracle à Jésus-Christ. Jésus a dit si par moi. Jésus leur a dit, cette génération méchante demande des miracles. Et quelqu'un va tourner à Yahoo, il va s'aller au sein de l'habitant. Et moi, je leur donnerai le miracle du prophète Jonas. Il faut faire des attentes. Le Seigneur est au Kébami. Et l'autre va venir miracle. Ce qu'on appelle le miracle est ça hors de l'ordinaire. Il s'est dit, le miracle. Donc, hors de l'ordinaire. Est-ce que la mort d'une personne est un miracle? Non. Ce n'est pas un miracle. Mais ça, déjà, il pas de mal. Il se fait que les gens arrivent à mourir. Mais ce que Jésus a dit, c'est un miracle. Alors, si Jésus dit que ce qu'il donnera au peuple, ce sera un miracle. Et nous, on vérifie dans le monde qui a ce miracle à Jonas. Tu vas vérifier le miracle de Jonas. Oui, bien. Tu sais, bien aimé, la vérité m'a commis ensemble. Tout ce que tu peux avoir besoin est contenu dans les saintes écritures. Dieu a mis tout par écrit. Ça fait attirer sur la communauté. Dans les écritures, il y a des réflexions. Les amis, la matanissi. Donc, Zambé, Nissi. Donc, le Seigneur a réfléchi. A déjà Ikanissi. Et puis, il a mis ses réflexions par écrit. Ah, c'est comme ça qu'il était les autres. Il y a beaucoup de l'économie. Donc, on a besoin d'un matanissi à l'autre. On n'a pas besoin de tes réflexions. J'ai mis par écrit des réflexions. Nati, la matanissi, matanissi au langage. Donc cela veut dire, lorsque tu touches la Bible, tu les as déjà réfléchi. Les as déjà réfléchi. On n'a plus besoin que tu puisses réfléchir. Par écrit, on a mis des réflexions. On a commis ma tanissi. Mais comment est-ce que les gens le comprennent? Mais cherche l'explication par ses propres raisonnements. Il commence à penser, ça doit être. L'écriture, il y a un peu ça réfléchi. L'écriture elle-même, c'est une réflexion de Dieu. C'est un verset. Un proverbe. Dieu a tout mis. Vous avez attiré à Marso. Et Dieu, son quartier, l'économie a roulé sa miracle à Jonas. Il avait dit qu'il leur donnera le miracle de Jonas. Il n'est pas là quand même Jonas. Mais va lire, le livre du prophète Jonas. Si tu veux Jonas, si tu vas regarder Jonas, à l'obaki, le col à Jonas, ça s'est dit 3 jours, 3 nuits n'a pas créé un poisson. Et comme Jonas vit 3 jours et 3 nuits dans les seins du poisson. Le légué mon le fils de l'homme a posé à 3 jours, 3 nuits dans les seins de la terre. Et même le fils de l'homme fera 3 jours et 3 nuits dans les seins de la terre. Mais la toi ne raisonne pas. L'écriture déjà réfléchit. L'écriture déjà c'est la réflexion de Dieu. Donc pas à Jonas. Rentre chez le prophète Jonas. Est-ce que dans 3 jours, 3 nuits, Jonas a couffé? Est-ce que pendant les 3 jours et 3 nuits, Jonas était mort? C'est comme ça que tu es là. C'est comme ça qu'on prêche la parole de Dieu. Alors tu regardes les 3 jours de Jonas.
trois jours de jeûne. À quoi ça? Est-ce qu'il était mort? Non, il n'était pas mort. C'est là que Jésus a son C'est là que Jésus était en train de dire. Enceinte de la terre, trois jours, on a nos arrières à beaucoup c'est ce qu'il dit. Il sera vivant. C'est ce qu'il est en train de dire. Et ce que tu connais dans nos miracles. C'est pourquoi on l'appellera miracle. Donc, il y a un de l'ordinateur. Parce que nous sommes en train de faire un appelé. Parce que ça va donc, il y a d'autres qu'on enterre qui sont morts. Là, c'est ordinaire. Voilà ça. Et l'ombre, c'est qu'il y a ça. Maintenant, il y a lié. Maintenant, ça va. Et ça va. Miracle. Ce sera un miracle. C'est qu'il y a à cause de la sainte à terre, mais là, à cause de la donc, il sera dans le sein de la terre, mais vivant. Il y a mon pierre à l'eau. C'est pourquoi Pierre a dit Christ est mort quand t'as la chair. Christ va pouvoir mettre dans d'autres les donc, quand t'as l'esprit, dans le monde, il y a un côté dans le lorsque tu le vois, aller il est allé prêcher. À quel âge est côté à l'eau, mon amour. C'est ce que Pierre a prêché. Il est allé. Et voilà, ces trois jours, il était allé prêcher les esprits. Enceinte de la terre. Nathalie a séjour de mort. Et voilà pourquoi on met le mot miracle. Voilà pourquoi tu peux l'appeler miracle. Mais comment on a changé encore là? C'est vrai. Il y a des mains de la terre, mais il y a un peu de cimetière. C'est ça. Le sein de la terre, c'est le cimetière. Au Pénéna, on peut cimetière, c'est un miracle. Non, aller enterrer quelqu'un au cimetière n'est pas un miracle. C'est l'ordinaire. Les amis, l'eau est sale, il m'a caca, tu as battu. Donc, quand on entend dans Jonas, lorsque tu liras le livre du prophète Jonas, tu verras que le prophète Jonas, dans le ventre du poisson, n'était pas mort. Oh, mais non, yes. C'est alors qu'on va l'appeler logiquement miracle. C'est ce que Jésus est en train de dire. Il y a un délire sur un salaire qui m'a tâté à vous. Les trois jours-là, Jésus-Christ a été annoncé la parole. Et pendant ces trois jours, Jésus était allé annoncer la parole. Et c'est pourquoi donc on s'est présenté dans Apocalypse chapitre 1, les vivants. C'est pourquoi il se présente comme le vivant dans Apocalypse 1. Et Dieu te bénisse. Amen. Et avant d'ajouter dans le texte d'Abyssaud, c'est pourquoi j'ai lu notre texte dans Apocalypse chapitre 2. Dans Apocalypse chapitre 2. Le verset 6. Le verset 6. Et en apportant là aussi le verset 7, 15. Et je lirai aussi le verset 15. Parce que tout le monde sur Nicolaïsme. Parce que nous parlons d'abord sur la doctrine des Nicolaïtes. Tu as pourtant ceci. Vous allez casser le coeur. C'est que tu es les œuvres des Nicolaïtes. Les amis intérieurs, il n'a qu'à Misalabaï Nicolas. Œuvres que j'ai fait aussi. Misalabaï Nicolas, il n'a qu'à Nandamon. Le verset 15, toujours à pouvoir citer. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Et Jésus-Christ a béni ses écritures saintes. Et Jésus-Christ a béni ses écritures saintes. Nous nous rassemblons. Nous allons vous croire que le Seigneur a dit qu'au son d'Abisson. Nous croyons que le Seigneur est en train de nous assister. Azon pour faciliter Bissot pour comprendre l'adversité et l'Église. Et il nous facilite de comprendre l'adversité de l'Église. Oui, ils ont combattre l'Église. Les esprits qui combattent l'Église de Dieu. Et puis, les débuts. Ou banda, ou te bandela. Si, Nathan, mon Abisson est toujours tambour. Juste en mettant commentaire sur le marchand, jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Ce sont ces esprits où on est pour combattre l'Église, l'Église en a présenté à nous. Ce sont ces esprits qui combattent l'Église comme le Seigneur les a présentés. L'enfant de Dieu, moi, les assemblées, souci naïf, son grand souci, les alliés à élever que la parole, c'est qu'il puisse élever la parole. Il y a qui t'a la parole et pour moi. Que lui puisse s'humilier que la parole s'élève. Parce que la parole est aussi baillée pour péser et pour moyen secours. Parce qu'il sait que la parole va le soutenir et lui donner la vie éternelle. Et non, les paroles des hommes. Les paroles des hommes n'aideront en rien. Et quand le Seigneur a fait sa tableau, il y a marche à l'église. Et lorsque le Seigneur donne ses tableaux de la marche à l'église, dans Apocalypse 2, dans
3, dans le chapitre 2 et 3 du livre de l'Apocalypse, azuit cette église d'Asie, il prend les sept églises d'Asie, les autres églises existent. Ce sont les églises qui ont existé sur cette église. L'église à Sambo, Éphèse, l'église d'Éphèse, Smyrne, Perga, Thyatire, Sardes, Philadelphie. Laodicée. Et Laodicée. Donc, existent. Ce sont des églises qui ont existé. Donc, le Seigneur a vu en gros dans le lien et tout comprendre dans le lien une église et votre envoie sur la terre. Le Seigneur les a prises de manière à ce que nous comprenions la marche de l'église sur la terre. Donc, ce qui est de comprendre par reproche que le Seigneur a sali dans cette église. Si nous comprenons les reproches que le Seigneur adresse à cette église. Et puis, pour l'anime, et puis nous suivons tel que le Seigneur lui-même le veut. Nous devons savoir que nous avons le royaume entre nous. Nous avons l'enlèvement. Il y a un autre bandit esprit. Oyoyo, les amis, pour bondir aussi l'église de Nicolaïs. C'est pourquoi nous allons commencer avec l'esprit du Nicolaïsme qui combat aussi l'église. Au moment où nous avons lu le verset 6e. Vous voyez, lorsque nous avons lu le verset 6, dans l'église à Éphèse, dans l'église d'Éphèse, on a béni les œuvres de Nicolaïs. On a parlé des œuvres de Salama et Nicolas. Tant qu'il y a une église à Perga, lorsque nous sommes rendus à l'église de Perga, dans le verset 15e, ou verset 15, a béni doctrine de Nicolaï. On a parlé à Lilakissi, Yabaï Nicolas. Donc, ils avaient Misala, ils avaient quitté Misala et Boti, doctrine et femme. Donc, il y avait les œuvres, et puis les œuvres ont engendré toute une doctrine. Mais le Seigneur, en lisant, a loué l'église d'Éphèse. Il fait l'éloge de l'église d'Éphèse. A saint pour Éphèse, le saint de l'église d'Éphèse, a zarek ouïna misala ya Nicolaï. Il détestait vraiment les œuvres de Nicolaï. A zarek ou soutenir ya Nicolaï. Il ne soutenait pas ses œuvres. Vraiment, le Seigneur a dit vraiment, je vous loue en ces points. Parce que tu es le œuvre de Nicolaïs. Les œuvres que j'ai aient aussi de mon côté. Il y a les œuvres que le Seigneur aime. Parce qu'il faut que Ephésiens 2, parce que nous devons savoir Ephésiens 2, 10. Et nous dit. Nous allons le lire. L'Écriture les a déclarés poètes. L'Écriture. Verset 6, nous lisons le nom de Jésus-Christ. Dans Éphésiens chapitre 2, verset 10. Éphésiens chapitre 2, verset 10. Car nous sommes son ouvrage. Oui, c'est aux amis qui est là. Ayant été créés en Jésus-Christ. Pour des bonnes œuvres. Ah, que Dieu a préparé d'avance. Afin que nous les pratiquions. Donc l'obéissance. Le Seigneur l'avait déjà préparé d'avance. C'est pourquoi en prenant Ephésiens chapitre 3, à partir du verset 3 jusqu'à 5, à partir du verset 3 jusqu'à 5, j'ai dit au nom du Seigneur Jésus-Christ, amen. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, donc ce qu'on lui va le dire, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Si tu vois là où il est écrit Père du Seigneur Jésus-Christ, il ne faut pas le refuser. L'état de Satan, c'est la montre. Jésus-Christ a hérité. Jésus-Christ, on est au sang, c'est ça les programmes du Seigneur. Il y a un monde et ma commission. Bible, les hommes travaillent à la tribu à fils. Dans la Bible, le Seigneur a travaillé dans la tribu du fils. Au moment où il y a un homme qui David. Oui, comme le Seigneur avait dit. David avait besoin de l'ensemble. David avait besoin de bâtir une maison pour le Seigneur. Il y a un ça. Le Seigneur dit, ce n'est pas toi qui l'as bâti. Mais il y a un ça, la fils. Donc celui qui l'a bâti, c'est ton fils. Mouvement par rapport à l'éternité avant la création. Ce mouvement-là, c'était par rapport à l'éternité avant la création. Au moins, ma prophète n'est pas ça. Vous voyez, les prophètes, ils étaient les signes d'Ancien. C'était les signes de lui-même éternel. Dieu est éternel. Zabé Azali
sagesse. Les sagesses ne veulent travailler. C'est la sagesse qui doit travailler dans la création. La vinda qui ça. Je prends un exemple. Menuisier à Zawa. Il y a un menuisier. Azan a besoin de ça, la messa. Il a besoin de faire une table. Mais à Kokomisa d'abord, messa la fête à Mayelena. Il va d'abord concevoir une table dans sa pensée. Il voit vraiment la table dans son esprit. Et à extérioriser l'intelligence, n'ayez pas eu autant. Maintenant, il va faire sortir cette table dans son esprit. C'est pourquoi l'Éternel a le dit qu'il a étendu les cieux par sa sagesse. Il est à Tata Mapata Nabouanianaye. Un exemple pour aider Salomon et Sénégal qui a construit la ville. Et par exemple, c'était Salomon la sagesse qui devait construire la ville. Mais David a conduit ici. Mais David avait tout préparé pour la construction. Il a Salomon a su. Et Salomon les a conduits. Il est entré en l'œuvre. D'abord, Salomon a salué comme la sagesse. C'est pourquoi Salomon était le signe de la sagesse. Dieu a créé tout par sa sagesse. J'avais à Kéra, nous sommes en Zéla. Donc, il a créé par les fils. À Kéra, en Zéla, à moi, en Zéla. Yahweh a créé tout par la parole. La parole, c'est les fils. Yahweh les a comme héritier. Et c'est le fils qui est comme héritier. Parce qu'il a m'appelé déjà Bissonion, ce que j'ai beaucoup fait. Parce que nous tous sur la terre, nous étions des morts. Avant qu'il n'a héritier. Dieu n'avait pas d'héritier. C'est pourquoi le Seigneur avait dit dans la loi qu'il n'agrée que le premier. Et sur la terre, le premier n'était qu'Adam. Et comme il était tout le monde, le Seigneur n'avait plus le premier né agréé sur la terre. Il n'était pas. Le Seigneur est allé comme fils. C'est pourquoi le Seigneur devait venir comme fils. Toi, tu as l'héritier. Pour qu'il soit héritier. Maintenant, par l'héritier, il n'a plus de nous acquérir. Et nous serons comme ceux-là qui vont hériter avec l'héritier. Parce que ça n'a pas tout ce que là. Parce qu'il y a d'autres qui disent. Apôtre, t'as pas à la connaissance de nous. Lorsque, au temps des apôtres, il y avait une petite connaissance. Maintenant, lui, tu dis qu'il y a une grande connaissance. Si tu suis sa prédication, tu sens vraiment. Même avec l'écriture, il affirme que les apôtres ont une foi. Comprendre l'écriture. Parce ne pas comprendre cette écriture. Mais ils disent que les apôtres ont une faible connaissance. Maintenant, lui, il a une très grande connaissance. Mais il ne comprend pas l'écriture de la faible connaissance. Et c'est ce qui est grave. La mort des animaux. Donc, tant que mon apôtre m'a connu, Père du Seigneur Jésus-Christ. Lorsque tu vois les apôtres qui Père du Seigneur Jésus-Christ. Les abongo. Les apéntabo. Les athées aux connaissances et aux pétés. Ce n'est pas le signe du faible. C'est ça la vraie connaissance. La mort des moyens, il y a solo pénta. Dieu bénisse. Amen. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Qui nous a bénis. Oh, a pas bon dans un verset 3e Éphésiens 1. Qui nous a bénis. Oh, a pas bon l'ambition. De toutes sortes de bénédictions spirituelles. Dans les lieux célestes. En Christ. La loi la carte Jésus-Christ. Pour recevoir la bénédiction du Père, tu vas être dans le Fils. Toutes sortes de bénédictions. Ma parole est en Christ. En Christ. C'est retrouvé en Christ Jésus. Les années à Christ. Ces bénédictions se retrouvent en Christ. C'est pourquoi nous disons si quelqu'un n'est pas en Christ. Attends, mon livre, tu vas souffrir ceux qui côtaient Éthiopie. Même si voit des gens souffrir en Éthiopie. A sauvé par qui c'est à peu près 20 conteneurs. Et qu'il achète des produits pharmaceutiques, 20 conteneurs. Ils ont un Christ. Ils ont la quantité à Jésus-Christ. Ça va couper ses récompenses par rapport à la Yamabéli. Le Seigneur va les récompenser par rapport aux choses de la terre. Le Seigneur ne compte pas ces œuvres-là en Christ Jésus. Donc à croire, s'il ne croit pas, un candidat pour qu'il y ait en fait. Il est candidat de la perdition. Parce que les salis et Zakaba en Christ. Oui, Théobie, vous attaquez la carte Jésus-Christ. Ils ont un chemin pour se soutenir. Le salut n'est pas dans un autre chemin. Que je ne suis pas chère de faire aussi beaucoup de dons très généreux.
C'est comme on est en train de mentir. Tu vois, lorsque tu es généreux, tu fais des dons. Même si tu pêches, tu fais trop de dons, de présents. Il faut aussi interroger le Seigneur dans les Écritures. Les salis, c'est en Christ. Le but des salis, c'est en Christ. Dans la parole. Et Dieu a prévu toutes sortes de bénédictions. Verset 4. En lui, c'est que la carte de Jésus-Christ, Dieu nous a élus. Il y a un moment que Jérusalem, Congo, n'a pas été Sarah. C'est pourquoi tu vas remarquer que Jérusalem va prononcer Sarah. Sarah me manque à la carte de la mort. Sarah n'avait qu'un seul fils dans son ventre. Isaac. C'était Isaac. Maintenant, pour Dieu se trouver dans Sarah, il faut avoir été pour te retrouver dans Sarah, tu vas être un membre de ce fils. Membre à corps. Il est na maman corps, il y a tout de suite. Il y a un besoin de fils. C'est pourquoi on parle pas de Nathalie. Sarah a eu un fils. Dans Sarah, tu n'as conçu qu'un seul fils. Il y a autre chose qu'on va dire qu'on dit que la Kimbangu au moment dans sa mettre. Dans la forme Kimbangu, tu ne verras pas. On dit même Branham au moment dans sa mettre. Tu crois en Branham, tu ne verras pas. On dit même George, ce qui George au moment dans sa mettre. Tu crois si c'est en George, tu ne verras pas. On dit même Pémoté, il m'a envoyé à sa mère de Saint au moment dans sa mettre. C'est en lui qu'il y a le salut. En Jésus, c'est bon. D'accord, Jésus-Christ. Maintenant, en lui, Dieu nous a élus. D'accord, Jésus-Christ, on nous a mis à Ponabiso. Avant la fondation du monde. Pour être au pilier salement. Sauf qu'on dit, pour la ligne à Ponabiso, d'accord, à Christ, avant la fondation du monde. Si tu poses la question, pourquoi il nous a élus avant la fondation du monde? Parce qu'on crée sa réponse. On répond comme ça. Pour que nous soyons saints. Pour être tous à la rassemble. La sainteté, ça va vous qui s'en vaut déjà. La sainteté, le Seigneur m'avait déjà préparé. Avant que tu ne viennes. Ça avait déjà assez préparé que Matthieu. Le Seigneur avait déjà préparé que Matthieu. Lorsque tu viendras, c'est vrai. Il faut qu'on enseigne. Il y aura un temps que tu vas devenir saint sur la terre. Et lorsque ce temps-là s'accomplit, il n'y prenait au bout. Tu es vraiment l'impudicité. Oui, il n'y a plus de bonheur. Tu détestes vraiment les filles des obsèques. Oui, il dit la jupe en dépoussée. Tu aimes vraiment les coupes de jupe. Pour que ça n'a pas prédestiné. Parce que la sainteté est déjà préparée. C'est ce qui est pour nous. Et c'est ce qui nous dit pour nous. Et ça n'a pas prédestiné avant la fondation du monde. Et pour lui, ça va quand il y a un bon qui est salement. Pour les lotos à la saint. Afin qu'aujourd'hui nous soyons des saints. Il y a un peu de les œuvres des Araki créées en Christ avant. Et ça, c'est en Christ, il y a un peu de maintenant, ceux-là, qui l'accomplissement de cette écriture, qui ont vécu l'accomplissement de cette écriture, parce qu'ils ont des bonnes œuvres qui sont en Christ. Mais qui Nicolaïte. Alors on avait montré les et Nicolaïte, sa conquérant, il y a peuple. Monté à son longa, il monte un peu comme à Maroumounaïe. Salomon, à mon acquérant. Salomon l'avait aussi vu. Dans Ecclésiaste chapitre 8. Dans Ecclésiaste chapitre 8. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ. J'ai vu tout cela. Verset 9. Verset 8. Et j'ai appliqué mon cœur à tout ce qui se fait sous le soleil. Il y a un temps où l'homme domine ses lois pour les rendre malais. Donc, Nicolaïsme, la doctrine de Nicolaïsme, il a bonheur. Il n'a pas de bonheur à son sein. Il y a mon Salomon à mon âge. Il sait que Salomon a vécu dans sa sagesse. Et ça peut rendre malheureux. C'est pas pour rendre les hommes des malheureux.
Salomon à l'endroit où il y avait la vraie adoration. La vraie adoration, c'est le
bon enseignant. Le sabre ya sonne l'ilakisia kitoko. Parce qu'on doit adorer en Christ Jésus. Yabonde véritable enseignement. Véritable. Oye, pour la vie. Ce qui est préparé pour la vie éternelle. Mais nous voyons maintenant. Parce que vous avez comment on a maintenant. Azan a besoin de retirer le peuple à la colonne à Bago. Il a besoin de retirer le peuple pour qu'il soit sous sa domination. Et qu'est-ce qu'a procédé? Alors comment est-ce qu'il avait procédé? Il a fait la réunion. À Salaki, il quitta la bataille. Il s'est dit que les réunions sont pas mauvaises. Il avait montré que les réunions ne sont pas mauvaises. Les réunions sont pour élever la parole. Que les réunions soient là pour élever la parole de Dieu. Et total, il s'est dit qu'il un frère. Il avait montré que tu sois un frère. Beaucoup d'amis, 2, 3, 4. Et que vous vous rencontrez 2, 3, 4. Élevez le Seigneur. Retour pour la colo. Au sang, maman. Tu es une maman. Beaucoup d'amis, la maman, monsieur. Et que tu croises notre maman. Matamboumbousolo. Mais ce que vous êtes en train de parler. Et Kounissa. Il se glorifie Dieu. Ministre. Et moi, ministre. La Koutami n'a pas ministre, monsieur Koutami, quelque part. Je me croise avec votre ministre quelque part. Matamboumbousolo. Les choses se disent. Et élever le Seigneur. Et tout pour la colo. Mon côté a épargné devant la parole du Seigneur. Personne n'est épargné devant la parole de Dieu. Je travaille pour mon propre salut à moi-même. Je ne peux pas blaguer. Quitte pour ça ma santé. Oyo, Zamba, Pesite, Namoniga, Koloba, ce que le Seigneur m'a pas donné, je ne l'ai pas dit. Oye, ça la parole, te n'a pas condamné. Ce qui n'est pas la parole, je vais le condamner. Oye, ça la parole, je vais la parole, je vais la clamer. Donc, Nazar, on a été pour la perdre mon salut. Je ne suis pas là pour perdre mon salut. À soutenir, de soutenir les hommes. Mais, non. Ma parcours dans le ministère. Dans mon parcours dans le ministère. Na yemi ko flatter te. Je ne connais pas comment on flatte les gens. Voilà, tout le temps, ça a été formé. Naturellement, je fournis des efforts, mais je ne dis pas. Il y a un souci de présenter la parole. J'ai vraiment le souci de présenter fidèlement la parole. C'est à cause de la parole, va vous voir dans le gloire. C'est à cause de la parole, va te rejeter gloire à Dieu. Ce qui va continuer à cause de la parole, gloire à Dieu. Si on va t'accepter, gloire à Dieu. Mais je ne peux pas détenir la vérité captive. Mais quand ça va solo, il faut libérer la vérité. Et c'est vrai que solo, ça va. Arrêtez la vérité captive. On ne retient pas la vérité captive. Parce que tant que nous travaillons, c'est pour le salut. Parce que lorsque nous travaillons, c'est pour le salut. Et ça, enfin, qui est. Les amis, la dit, la dit. Au monde en Zambé. Oui, t'es au monde en Zambé, mon colombo. Regarde seulement toi-même, tu rates de voir le Seigneur. Vous êtes toujours dans le désir de vivre. Donc, vie à bout. Donc, la vie de l'homme est détruite. Donc, a été détruite. Donc, sauf qui m'a travaillé mal. Si je travaille mal, alors c'est que la moutou, nous sommes montés, nous allons les prendre, maintenant c'est répandu. J'aimerais qu'un autre ministre me reprenne afin que je te réponde. Mon problème est ça, les salis. Afin que je devienne meilleur parce que j'ai besoin du salut. Mon problème est ça d'abord, ma gravité. Mon problème n'est pas les graves ou les ballons. Non, parce que la moutou, parfois, il ramène à ma grave. Parce que la personne a su des graves. Dans un ministre. Je suis ministre. C'est l'œuvre qui est importante. Donc, ma grâce des anatines. Les grâces ne sont pas importantes. Il faut la bise. Et ce qui est la mal au pique. Cet habit n'est que ça la salue. Et c'est cet habit qui donnera le salut au peuple. Il y a mon Dieu pour chasser les péchés. Et c'est ce qui va chasser les péchés au milieu. Il y a mon Dieu pour délivrer le peuple. Et c'est ce qui va délivrer le peuple. Cet habit, la dignité là, le Seigneur tient. Et la mort, on a beaucoup la parole. Voilà pourquoi ma carte de travail. Voilà pourquoi dans l'œuvre. Nous en avons besoin surtout. Nous n'avons besoin surtout. Il y a qui surtout quitte la parole le matin. Et nous puissions nous laisser que la parole seule s'élève. Le lingue Jean-Baptiste aura dit. La manière dont Jean-Baptiste avait dit. Dans Jean 3. Dans Jean 3. Que j'ai diminué. Là, il peut être à quitte. Que croissant. Et à tout moi, à tout la collègue. Zamba tombe à ma mine. Que le Seigneur s'élève davantage. Parce qu'il y a mon exanatine à ma casse. Parce que c'est ça qui est très important. Awa texte, ou y'a ton joie qui n'a un roi. 12. Ici, le texte qu'on avait
partir à verset 25. On avait lu à partir du verset 25. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Jéroboam bâtit Sichem sur la montagne Éphraïm. Et il y demeura. Puis il en sortit et bâtit Peniel. Jéroboam dit en son cœur. Le royaume pourrait bien maintenant retourner à la maison de David. Si ce peuple monte à Jérusalem pour faire des sacrifices dans la maison de l'Éternel, le cœur de ce peuple retournera à son Seigneur. À Roboam, roi de Juda, et ils me tueront et retourneront à Roboam, roi de Juda. À manière de penser, il a commencé d'abord à concevoir cette pensée. C'est ce qui est toujours condamné. Parce que Jéroboam connaissait la loi. La loi disait, peuple nionso, tribu nionso, toutes les tribus d'Israël, et qu'on montait l'adoration à Jérusalem. Monteront à Jérusalem pour l'adoration. Aujourd'hui, le lieu d'adoration, c'est le vin. Sont la parole véritable. Mais Ayemi Kesabongo, je connaissais que c'était comme ça. Mais a rejeté la parole. Mais il a rejeté la parole. Parce qu'Azan a besoin à dominer le Koloyasa. Il a besoin de dominer sur le peuple. Et Asali maintenant rencontre. Maintenant il a fait une rencontre. Il y a quoi le verset 28. Après être consulté, le roi fit des votes. Dans la réunion, dans cette réunion, ils avaient fait mieux avec ces gens. Pour dominer ce peuple. Pour dominer ce peuple. La manière à ce qu'ils puissent tous nous avons dit. Présentons les autres choses qu'ils doivent adorer. Il y a un résultat de la réunion. C'est pourquoi la résolution de la réunion. Ici, des votants. On l'a présenté en forme de deux votants. Il y a un total ici qui boit. C'est pourquoi on avait montré ceci. Batanion son oyele kana oyotosa. Dans tout le temps passé et dans le temps pendant lequel nous sommes. C'est comme ça toujours l'homme a détruit sa femme. Un autre. C'est comme ça toujours l'homme détruit son semblable. Par souci à Kolinga pour dominer. Par souci de vouloir les dominer. Parce que oui. Salomon le dit. Salomon. Et ça pour la malheur. C'est pour rendre l'autre malheureux. Bah pour qui vous allez avoir principe. Il pourra avoir des principes. Bah le légué ou bah bon ici. La manière qu'ils ont arrêté pour attendre bah le dit à Bible. Ils ont dit la Bible. Mais tout ça va avec un code de bonne conduite. C'est ce qu'on appelle le code de bonne conduite. Code de bonne conduite. Ils ont abandonné les écritures. Maintenant, il passe à la code de bonne conduite. Maintenant, ils veulent faire le code de la réunion. Code de bonne conduite. Le code de bonne conduite. Mais pourtant pour la malade, si on marche, si utilisé. Psaume 119. Psaume 119. Il va participer à la réponse. On a donné la réponse. Il y a beaucoup.
votre compte et votre en se dirigeant n'a commis qu'à mata après ta parole la grisanova yoko ya c'est ça yangonde mais pas tout va vous là mais les gens pourraient être là Bible n'est pas si valeur c'est la Bible qui n'a pas de la valeur ayaki il était venu donc on a mutunion son est ayaka quoi il est la parole donc tout homme qui vient pour croire la parole de Dieu bisonions otoyé nous tous nous étions à télévision la parole on nous a prêché la parole toyé pour la vie éternelle nous étions venus pour la vie éternelle tout venu ma soupe on a vu la confession nos péchés nous tout monde va aller à l'émission et personne ne nous connaissait en ce temps atayo même toi maintenant, il en va ensemble. Pour la parole de Dieu. Et puis, si on bonne conduite, il t'a donné la bonne conduite. Il faut être baptisé. Et Seigneur, nous sommes baptisés. Dans l'eau. Dans l'eau. Dans l'eau. Au nom de Jésus. N'a pas fait souffrir ça. Au l'année. Tu as suivi cela. Ainsi, on ne connaissait pas les Saint-Esprit. Merci, madame, que j'ai envoyé mon sang. Par l'imposition. N'a pas tiré ma peau. Des milices. Il y a pas ça, il y a ça. Pour l'équipe de la nation. Et puis, tu passes par tous ces chemins. Dieu a élevé. Maintenant, le Seigneur t'a élevé en son temps. Oui, et pas ni la nuit sans. Et puis, tu as promis du bon Dieu. Maintenant, on voit une parole. Les disputes étaient faites avant de
Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit descend. Mais lorsque le Saint-Esprit est descendu. Alors dit que la pierre librement explosée. On laisse librement la place à Pierre d'exposer la parole. Son cassisme exposé. S'il permet d'exposer. Chaque a explosé. Chaque aussi prend la place pour exposer. Je suis un petit grand. Vous voyez dans la conférence de Jérusalem. Lorsqu'ils étaient là, Paul, il y avait Paul aussi. C'est lui qui venait le chercher entier chez les païens. Donc il y avait beaucoup de témoignages là. Ils étaient là. Lorsqu'ils sont restés là, Pierre a dit parole. Pierre a pris la parole. Avant-il. Il a commencé par verset 7. Le verset 7. Lorsque Pierre est en train de dire, une grande discussion s'est engagée. Où est la maloba misoma qui est par rapport à l'enseignement. C'est par rapport à l'enseignement, le débat. Parce que nous allons battre tout Nandimi en haut. Parce que nous ne sommes pas de ceux-là comme des catholiques. Il faut et l'eau pour nous battre à la terre. Il faut que ceux qui nous soient soutenus par des témoins. Bien célébrant. Mettez-la terre. On a versé 7e acte. Le verset 7e acte. Elle est dit. Mais allez, ici va. Homme frère. Vous savez que. Vous y êtes. Bien longtemps. Où t'as-tu? Dieu a choix, a fait un choix. Savez à Pona qui parmi vous, afin que par ma bouche, les païens entendissent la parole de l'évangile. Paul était là. Paul était là. Il n'a pas dit qu'il n'y a pas choisi pour la terre à païen. C'est que moi que le Seigneur avait choisi pour prêcher les païens. Non, non, ce n'est pas comme ça. Alors, reconnaître que Paul le reconnaissait. Oui, la portion en Zamba pour Nakine Pierre. Oui, dans cette portion, le Seigneur avait choisi. Oui, Jacques, il attend le maïe. Lorsque Jacques aussi s'était levé à son tour. Alors, il essaie de bien aller à Yves. Oui, il peut être un petit colonne à l'issue. Donc, il y a un gros problème à tenter. Ce n'est même pas un problème parmi nous. Parce qu'ils ont les saintes. Grâce y a mon amour qui vous travaillez selon le Seigneur. La grâce de tout le Seigneur travaille selon Dieu. Et vous aurez tout simplement pour le salut. Et vous aurez peut-être pour le pico et à l'imota. Dieu bénisse. Amen. Donc c'est que, c'est-à-dire, la vie des apôtres. Comment y a un Thomas? Les alliés pour soutenir Jésus-Christ la parole. C'est qui soutenait Jésus-Christ la vraie parole. Même esprit à conquête. J'avais donné Matthieu chapitre 20. Verset 25. Le verset 25. Dieu a l'obi boué. Yesu a talisi. A l'obi ma païen. N'a dit les grands de ce monde. Donc les tyrans. Ba nyon koli ba kondi. Ba domina kabatu na ba. Nyon kola kabikolo ya ba. A l'obi ya mouez a la tel o lenye wana na kati. Qui n'en soit pas de même parmi vous. A bouillir. Jésus l'a refusé carrément. Mais comment Yango et Tombo en manque? Mais comment cet esprit-là s'élève parmi les enfants de Dieu? Et Zalaka, le légué Oyobazo, présentez vos dons. C'est de la manière dont on présente le vos dons. Donc, on présentait enseignement Yamabe Poba à prier. Donc, présenter un faux enseignement au fait qu'on puisse l'appuyer. Et c'est ce que nous avons écouté. Et c'est ce qu'on était en train de lire. Donc, ils ont prudence, Makas. Ils ont vraiment des prudences. Il y a des doctrines qui sont sur la terre. On a utilisé tout simplement les œuvres des Nicolaïtes. On a tout simplement utilisé les œuvres des Nicolaïtes. Qui va dominer le peuple. Jusqu'à ce qu'ils sont parvenus à dominer le peuple. Et fabrique en doctrine. Et cela s'est établi en doctrine. Donc, est connu comme vie. Et cela devient comme une vie. Donc, on est normal. Donc une ligne de conduite normale au milieu d'eux. C'est ce que l'Église de Saint doit éviter. Et c'est ce que doit éviter l'Église de Saint. Aux Églises de Saint, il y a comboté. Il ne faut pas être l'Église de Saint de nom. Mais il y a enseignement. Et l'Église de Saint du vrai enseignement. C'est très important. Et ça dit que tout est en place. Mais nous connions dans l'enseignement. En toutes choses, regarder l'enseignement. C'est très très important. Et ça dit mon tout à l'heure pour les amis.
Et Dieu vous bénisse. Ça vient pas pour la vidéo. Et on continue la lecture. Je continue la lecture. Nathalie maintenant Achish avec Totaraki. J'ai lu maintenant le roi Abija. Achish Abija. Dans 2 Chroniques 13. Dans 2 Chroniques 13. Tawazon au bas, verset 9. Lorsqu'il est en train de parler au verset 9. Attends, il s'est parti au verset 8. Il a montré à partir du verset 8. C'est le roi d'Égypte. Mon continuant est à Bayouda. Aïeba dit que victoire. Il savait bien que le succès ou la victoire. Et ça n'a qu'à être le respect de l'enseignement. Et dans le respect de l'enseignement. Sauf au bois qui enseignement. Si tu rejettes l'enseignement. Ou commis malheureux. Tu deviens malheureux. Ils ont échec. C'est un échec. Il y a d'autres temps. C'est ce que nous disons. N'avez-vous pas? Et maintenant, vous pensez triompher du royaume de l'Éternel? Vous autres colonga zambé. Qui est entre les mains des fils de David? Là, dans un verset 8. Là, au verset 8. Et vous êtes une multitude nombreuse. Et vous avez avec vous les vendeurs. Et Jéroboam vous a fait pour Dieu. Il faut être que Dieu c'est la parole. Et ce que tu as fait de l'Iloma. Soko l'omboli la parole. Donc si tu enlève la parole. Fausse parole au Dieu. La fausse parole que tu as établie. Et ça aussi un Dieu. Et ça dit que nous avons encore. Mais faux Dieu. T'as sauvé à l'Okuta. Et ça donné les bambous à présenter qui vaut dormir. La manière dont Jéhovah leur avait présenté deux vaux d'or. Nathalie Seguillo. Je t'avais montré. Abija Aloba qui. Le roi Abija avait dit. Quelle position on le posait. Et la position dans laquelle vous êtes. Il y a qu'on rejeter le vrai Dieu. Et rejeter le vrai Dieu. Beaucoup des fêtes. Vous n'aurez pas du succès. Maintenant, Nathalie Seguillo en haut. Maintenant, je l'avais montré. Nakolobanaga par rapport à l'ordre où Abija Nathalie Seguillo. Dans mon exposé par rapport à l'ordre qu'Abija j'avais montré. Abija Nathalie Seguillo, pourquoi il aura la victoire? Abija va montrer pourquoi est-ce qu'il aura la victoire. Ordonaki. Parce qu'il a suivi tel que le Seigneur avait ordonné. Il y a beaucoup remarqué. C'est pourquoi tu vas remarquer des choses que Abija Zotali, c'est que victoire des Oya. Les choses par lesquelles Abija montre la venue de la victoire. C'est parce que Bazalina va sacrificateur selon l'ordre d'Aaron. C'est parce qu'ils sont les sacrificateurs selon l'ordre d'Aaron. Ceux qui va nommer va sacrificateur pour Bazuna Kanya Lévi. Si on dit que c'est sacrificateur. Pris au milieu de selon l'ordre d'Aaron, il faut pas trouver la catinaïe. On doit trouver en ces sacrifices.